Le Maroc a déjà connu des périodes de sécheresse sévères, comme celle des années 80 ou celle des années 90. Mais la situation que nous vivons aujourd'hui est difficile à plusieurs niveaux, en raison des changements climatiques. Tout d'abord, en fait, l'étendue de la sécheresse. C'est la première fois que nous avons une sécheresse aussi longue en termes de temps. Deuxièmement, l'ampleur de la sécheresse est qui est aggravée par, l'augmentation des températures. Nous sommes à 1,8 degré de plus par rapport aux moyennes saisonnières. Donc ce qui se traduit par une évaporation forte et qui impacte évidemment nos capacités, nos ressources. Troisièmement, et c'est là où en fait le bas blesse, et c'est le sujet de notre rencontre aujourd'hui, c'est que nos ressources, nos réserves en eau, au niveau des aquifères, ont été particulièrement surexploitées. Et ce n'est pas une affaire de ces 6 dernières années, c'est quelque chose en fait qui dure depuis des dizaines d'années, et qui fait qu'aujourd'hui, contrairement aux années 80, nous avions un stock stratégique suffisant pour pouvoir faire face à l'acuité et à la gravité de la sécheresse. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où ces ressources commencent à manquer. Et je dois vous dire, et vous pouvez le voir, à nos propres yeux, nous avons des dizaines de milliers d'hectares qui sont aujourd'hui délaissés parce qu'il n'y a plus d'eau, ou parce que l'eau est devenue salée et inappropriée. Et par conséquent, on peut le dire clairement que le Maroc est l'un des pays les plus affectés par le stress hydrique dans le monde. Et comme vous le savez, nous allons perdre une part importante de nos apports en eau dans les années à venir. On parle autour de 2035 à être autour de 500 mètres cubes par personne et par an. Et donc, on est largement au-delà, au-dessus de ce qu'on avait dans les années 60. On était à 2700. Donc il y a une aggravation accélérée, on est aujourd'hui autour de 607 mètres cubes par personne et par an. Aujourd'hui, donc la situation est telle que nous nous retrouvons avec une exploitation de l'aquifère qui dépasse largement le volume d'eau renouvelable annuel, entraînant donc une baisse significative du niveau d'eau dans ces nappes et une diminution évidemment des réserves en eau. Dans certains cas, cette surexploitation a engendré ou généré la baisse du débit des sources d'eau, l'assèchement de quelques sources et lacs naturels, avec les tremblements de terre, nous avons eu des nouvelles sources qui sont apparues, ainsi que la détérioration de la qualité des eaux souterraines, à l'instar des aquifères côtiers. Mesdames et messieurs, si notre pays a pu surmonter des défis majeurs rencontrés en matière de gestion de l'eau, c'est notamment grâce à la politique hydro-agricole clairvoyante qui a été initiée par Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, politique qui a été poursuivie et développée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et les efforts déployés ont permis de doter le Maroc d'importantes infrastructures hydrauliques. Nous sommes aujourd'hui à une capacité de stockage au niveau des grands barrages de 20 milliards de mètres cubes. Là, grâce à la politique qui a été menée au milieu des années 60 et qui a continué et qui perdure aujourd'hui. Et aussi grâce aux infrastructures, à la gestion anticipative et intégrée des eaux conventionnelles, nous avons pu aussi faire face à un certain nombre de besoins en eau potable des populations et sans grand déficit. Et aussi, nous avons été amenés aussi à faire face à la rareté des eaux, avec évidemment au niveau du monde rural, avec les camions citernes qui ont été mobilisés pour répondre aux besoins des populations. Et je dois dire aussi que tout ça aussi a été fait avec, qui a permis aussi de développer de manière assez forte l'agriculture irriguée. Aujourd'hui, nous sommes à 2 millions d'hectares, en fait, irrigués. On était dans les années 90, à la fin des années 90, c'était l'objet d'ailleurs du premier plan, donc le barrage, à 1 million. Et donc on l'a atteint en 98, on devait l'atteindre en 2000, on l'a même atteint plutôt que prévu. Donc aujourd'hui, il y a aussi cette situation qui est importante à marquer. Alors, il y a une stratégie nationale de l'eau qui avait été mise en place en 2009 et qui a été présentée à Sa Majesté le Roi Mohamed VI et qui a marqué un tournant décisif dans la gestion des ressources en eau dans notre pays. De grands projets structurants ont été programmés et entamés dans plusieurs grands barrages, des stations de dessalement d'eau de mer, des programmes de réutilisation des eaux usées et des projets d'économie d'eau. Donc ces réformes ont été planifiées
Une partie a été réalisée, malheureusement, et aujourd'hui, on a été amené, donc, suite aux grandes, aux autres orientations. Suite aux hautes orientations royales, donc, il y a eu un programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation qui a été élaboré et qui a été mis en place en vue d'accélérer les investissements dans le secteur de l'eau, de renforcer l'approvisionnement en eau potable et soutenir l'agriculture irriguée, notamment dans les zones les plus touchées par le déficit hydrique. Le discours de Sa Majesté le Roi lors de l'ouverture du Parlement en 2022, en octobre 2022, et le discours donc, du trône, qui sont des discours structurants et qui ont véritablement fixé une feuille de route en la matière, ont amené à accélérer la mise en œuvre du programme donc, du plan EPI aux défis croissants liés à la sécheresse et à la rareté de l'eau. Mais on a eu un objectif clair qui a été fixé par le sujet. C'est de faire en sorte à ce qu'on puisse véritablement assurer, quelles que soient les circonstances, 100% d'eau potable pour les populations et 80% d'eau pour l'irrigation. C'est un objectif ambitieux, un objectif majeur qui nous a amené, de fait, à changer et à renforcer, en fait, toutes nos politiques publiques en matière d'eau. Et cela, évidemment, implique une mise à jour continue de la politique de l'eau, que ce soit donc au niveau national, mais également au niveau territorial. Et je tiens à saluer la présence parmi nous des différents directeurs d'agences du bassin qui ont joué un rôle très important et qui nous ont permis d'avoir, en fait, des plans au niveau des bassins à l'horizon 2050, identifiant les besoins en eau et identifiant aussi les différentes ressources potentielles et les mesures à prendre pour pouvoir répondre à ces besoins. Deuxième chose importante, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à la conviction, et nous avons les outils pour le faire, que la seule manière véritable de répondre à cette attente et à cette orientation royale, c'est, un, d'avoir une connaissance réelle de nos ressources en eau, actuelles et potentielles, et ça, évidemment, par rapport avec les changements climatiques, nous savons que nous allons avoir une baisse, je dirais, tendancielle des ressources en eau futures en termes d'apport en eau. Mais la deuxième chose, c'est rendre visible l'invisible, à savoir les ressources en eau souterraines. C'est la raison pour laquelle vous êtes réunis ici parmi nous, c'est pour pouvoir identifier quelles sont les méthodes, quels sont les moyens que l'on peut mettre en place pour pouvoir mieux connaître en fait, nos capacités au niveau de nos aquifères et surtout d'arriver, et c'est l'objectif que nous sommes fixés, c'est d'avoir une gestion intégrée de l'eau. C'est à travers, évidemment, la logique territoriale et les agences de bassin. Mesdames et messieurs, quand on parle de tout ça, évidemment, on ne peut parler d'une politique de l'eau que si on l'inscrit dans le long terme. Et on ne peut parler de ressources de politique de l'eau que si on l'inscrit dans une logique d'une planification continue, concertée, impliquant tous les usagers et avec une contractualisation à travers en fait les contrats de nappe qui permettraient véritablement d'avoir une gestion qui soit, je dirais, rationnelle de nos ressources en eau et une meilleure valorisation de ces ressources. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي